Vous avez besoin d'un outil pour des travaux ponctuels, mais vous ne souhaitez pas forcément l'acheter. Eh bien, il est possible d'emprunter des outils pour une courte durée. Une outil-tech, sur le même principe qu'une bibliothèque, a ouvert ses portes rue Couron à Lille, dans le secteur de l'Île-Moulin. Vous y trouvez des outils en libre-service, quelques conditions à remplir pour devenir adhérent de l'outil-tech, être habitant de Lille, l'Homme ou LM et payer une contribution de 5 euros à l'année. Pour les mineurs, il faut présenter une autorisation parentale. Le projet a pu voir le jour grâce à un partenariat entre la ville de Lille, la fondation Abbé Pierre, Action Logement et l'enseigne Leroy Merlin. Explication sur le projet avec le responsable des compagnons bâtisseurs pour les Hauts-de-France au micro de Louis Caillé. On a des petits carnets avec un petit descriptif des outils qu'on a à disposition et voilà, tout simplement, on lui prête, il le reprend. Donc il y a une procédure administrative que la première fois. Ensuite, il peut revenir effectivement emprunter, rendre l'outil et emprunter d'autres outils. On a également des livres en prêt, donc plusieurs livres sur le bricolage, je rénove moi-même, l'électricité, la plomberie, le compostage, le jardin, etc. Donc également en prêt. Pour appuyer les personnes quand elles sont chez elles.